Est-ce que vous m'entendez bien? Parfaitement. Bon, parfait. Merci tout d'abord à Pierre-Antoine Fabre et à Elsa Chachkine pour leur invitation. C'est évidemment un plaisir et un grand honneur de participer à cette journée d'études, de siéger à cette table ronde. Je dois d'ores et déjà vous présenter mes excuses parce que moi j'avais noté 17h30 et malheureusement je serai happée à 17h30 par une autre réunion. Donc, Je quitterai sur la pointe des pieds en cours de route. Alors, Elsa m'a demandé de débuter cette table ronde en répondant à la question sous laquelle elle est inscrite. Qu'est-ce qu'une supervision doctorale réussie? Et en essayant, je me suis dit qu'en fait, c'était une réponse, que je ne savais pas répondre à cette question. Je ne sais pas ce qu'est une supervision doctorale réussie. Et non seulement je ne sais pas, mais j'ai l'impression que plus j'avance en âge, moins je sais répondre. Ce qui est quand même déjà très très inquiétant pour l'avenir, ce qui est également très très inquiétant pour mes doctorants. Mais je ne pense pas que ce soit l'objet de notre discussion aujourd'hui. En fait, j'ai l'impression que pour répondre à cette question, que la réponse à cette question dépend tellement du doctorant, de son projet, de son intention, que je ne serais probablement capable que d'énoncer des truismes sur le sujet. Alors, tout en disant ça, je me dis que c'est probablement le fait aussi que je ne suis pas outillée pour répondre à ça. J'ai été attentive aux exposés précédents, je ne fais pas de recherche sur l'encadrement doctoral, je ne suis pas issue des sciences de l'éducation, et probablement qu'il me manque des grilles de lecture, des cadres d'analyse qui permettraient de dénoncer une réponse un petit peu construite à ce sujet. Autour de moi, si je réfléchis quand même un petit peu à cette question, il m'est arrivé d'entendre des collègues dire, à l'occasion d'une soutenance, qu'une bonne thèse, c'était une thèse soutenue. Alors, bon. Moi, je ne suis pas sûre que je partage totalement cette affirmation, mais je me suis demandé si, en poursuivant cette idée ou en poursuivant cette affirmation, pourrait-on dire de ce fait qu'une supervision réussie, c'est celle qui amène à une soutenance de thèse. Tout en disant ça, je pense à des doctorants qui ont soutenu et pour lesquels je ne suis pas absolument certaine que la supervision puisse être qualifiée de réussite. Bon. Bref, je crois que je ne sais pas du tout répondre à cette question et Elsa, je te prie de m'en excuser. Alors, j'avais bien conscience que ça n'était pas suffisant pour un exposé liminaire et du coup, je me suis tournée vers un avis récent de la Société française du management qui porte justement sur l'encadrement de thèses de doctorat. La Société française du management, c'est une association académique, une société savante qui propose un certain nombre d'espaces de réflexion, de rencontres et qui parfois formalise ces réflexions sous la forme de notes qui n'ont pas du tout de valeur réglementaire, si ce n'est de partager des pratiques et un état des lieux des questions qui peuvent toutes et tous nous animer. Dans cette note récente de la Société française du management, il y a un certain nombre de recommandations qui sont émises autour de la pratique de l'encadrement doctoral. Alors, je ne vais évidemment pas les lister, vous pouvez accéder très facilement à cette note, elle est en ligne, elle est accessible. Je vais juste peut-être vous présenter deux dimensions qui me semblent importantes pour entamer les débats et puis qui entrent probablement en résonance avec ce que je crois d'un encadrement de thèse et d'une supervision réussie. Et puis, je m'en tiendrai à ces deux dimensions pour ne pas dépasser le temps alloué à cet exposé liminaire. Je dirais que, à mon sens, la première dimension, c'est une dimension collective. Il en a été beaucoup question cet après-midi au travers de différents exposés qui nous ont été présentés aujourd'hui. Et je crois que désormais, on est tous d'accord pour dire que le colloque singulier entre un doctorant et son directeur de thèse, je mets tout ça au masculin, c'est pas du tout élégant.
c'est évident que je parle aussi des doctorantes et des directrices de thèse. Ce colloque singulier est un petit peu daté et nous ne travaillons plus comme ça, je crois. Et il est important de reconnaître que différents types d'acteurs contribuent à l'encadrement de thèse au-delà du directeur ou de la directrice de thèse et que ces différents acteurs doivent être accueillis, quoi, que l'action de ces différents acteurs doit être accueillie de manière positive, tant par le doctorant, la doctorante, que le directeur ou la directrice de thèse. Sur cette dimension collective, je crois aussi qu'il faut reconnaître qu'il est important que le doctorant et la doctorante bénéficient de dispositifs qui peuvent être des dispositifs formels, comme les comités de suivi de thèse dont a parlé Anne Jourot, mais aussi informels d'encadrement au sein des différents collectifs qui l'entourent, à commencer par son laboratoire, qui est son espace disciplinaire au sein duquel il va pouvoir, comme le suggérait, comme le relatait notre collègue de l'ESCP, présenter ses travaux devant tous les autres doctorants, les autres directrices et directeurs de thèse, et par conséquent, recevoir des avis. Pour moi, ces dispositifs jouent des rôles complémentaires qui sont essentiels dans la réussite de la thèse. Et c'est très important parce que je trouve que ça a un côté anxiogène pour le doctorant, mais aussi pour le directeur de thèse, de se dire que la réussite ne dépend que de ce binôme-là. Le fait de se dire qu'on est dans un collectif et que des regards complémentaires peuvent être apportés me semble fondamental. Mais il faut aussi, et j'ai bien aimé les précautions qu'a pris Anne Jourot sur la nécessité pour chacun de rester à sa place, si je dis les choses de façon trop rapide. Tous ces acteurs doivent aussi rester dans leur place d'acteurs tiers. Ils doivent soutenir, proposer, alerter, mais ne pas aller trop loin pour ne pas déstabiliser le doctorant ou la doctorante dans son travail. Et pour le coup, je trouve que c'est très important, comme c'était rappelé il y a un instant, que notamment à l'intérieur des comités de suivi de thèse, je pense que c'est dangereux d'aller sur les dimensions purement scientifiques du travail, parce que on sait bien que sur un même projet, on peut avoir différents guides, différentes manières d'aborder un projet. Il ne faudrait pas que les interlocuteurs donnent des conseils trop orthogonaux avec ceux de la direction de thèse. Donc ça, c'est la première dimension, c'est la dimension collective qui est pour moi véritablement la plus importante, que j'essaye de pratiquer en tant que directrice de thèse, que j'essaye aussi de faire pratiquer au sein du laboratoire dans lequel j'exerce et de l'école doctorale dans laquelle je m'exprime. La deuxième dimension, c'est une dimension procédurale, parce que, bien sûr, une thèse, c'est une aventure de recherche, c'est avant tout une aventure intellectuelle. On rêve tous de liberté et d'espace à explorer, mais on voit bien, et notamment avec l'arrêté de mai 2016, que c'est aussi un exercice académique, un exercice dans lequel il convient de se couler. Et je pense qu'il faut aussi faire un peu son deuil d'une vision un peu romantique d'un grand espace intellectuel vierge à défricher en toute liberté. Et j'ai envie de dire que pour s'assurer une forme de réussite et en tous les cas garantir le terme est très mal choisi, mais essayer de minimiser les risques et de faire en sorte que le cheminement, les avancées soient un tout petit peu encadrées, je pense qu'on doit mettre en place des processus, une procédure, à commencer au moment du recrutement du doctorant, où plusieurs dimensions doivent être prises en compte relatives à la capacité à réaliser un travail doctoral de qualité. C'est pas juste le projet de thèse qui doit être enthousiasmant ou la motivation qui doit être forte. On sait toutes les difficultés qui vont se dresser sur la route des doctorants. Un travail de thèse, c'est un travail enthousiasmant. Je pense qu'on regrette tous nos années de thèse et ce moment où on avait l'espace pour penser
très longuement à un sujet et voilà, avec un horizon assez long. Malheureusement, maintenant, les horizons se raccourcissent. Mais c'est aussi un moment difficile, une thèse. Et voilà, la motivation et la qualité du projet ne sont pas suffisants. Il faut beaucoup de dimensions pour mener, voilà, plusieurs capacités à mener de front pour mener à bien un travail doctoral. La deuxième chose sur ces dimensions procédurales, c'est que je pense qu'il faut se mettre d'accord, la directrice ou le directeur de thèse, la doctorante ou le doctorant, devraient formaliser à minima leur relation. Quelle forme de relation souhaitent-ils mettre en place durant la thèse? Le rythme, les modalités d'échange, il faut qu'on se mette d'accord, on va travailler ensemble pendant 3 ans ou 6 ans parfois. Nous n'avons pas tous les mêmes manières de travailler, et fort heureusement, mais il faut qu'on soit d'accord sur la manière dont l'accompagnement va se faire, dont le mentorat doit se mettre en place, quelle forme et quel degré de liberté nous accordons-nous les uns les autres. Et puis, là aussi, au-delà de l'exploitation du thème de la recherche, de la préservation de la liberté du doctorant, de l'encouragement de sa prise d'autonomie, je crois qu'il faut mettre en place, ou en tous les cas, j'aime pas dire il faut, quoi, j'ai pas envie d'être prescriptive, je partage juste mon sentiment, mais il me semble qu'il peut être utile de mettre en place un processus de type gestion de projet avec des phases identifiées, des livrables intermédiaires, des compétences à acquérir, des ressources à mobiliser, parce que ça a un côté, là aussi, il ne s'agit pas de corseter le travail, il ne s'agit pas de brider la liberté d'expression et la liberté scientifique, mais peut-être de scander le travail. Ça a un côté, je pense, rassurant et qui montre la progression de façon visible. Voilà, donc 2 dimensions pour moi, la dimension collective et puis une dimension plus procédurale. Merci Elsa, merci. Merci Stéphanie. Donc, pour ces 2 dimensions, à la fois donc d'équipe et puis procédurale. Jean-Philippe Bouillou, je nous présente la suite. Jean-Philippe, mon micro. Pardon. Je recommence. Donc, je suis enseignant à l'ESCP depuis assez longtemps, mais je suis aussi enseignant à l'Université de Paris, ex-Paris 7. Et donc, je suis dans une situation un peu baroque où je dirige des thèses à l'Université de Paris en sociologie et des thèses en gestion à l'école doctorale commune que nous avons entre l'ESCP et l'Université de Paris 1. Donc, ça fait une quinzaine d'années que je dirige des thèses. Alors, pour répondre à cette question sur qu'est-ce qui fait la... un bon encadrement de thèse. Je suis comme Stéphanie la prédécesseuse, c'est toujours difficile de voire même impossible de donner une recette miracle qui marcherait à tous les coups. D'autant plus impossible que chaque situation, chaque couple, je dirais doctorant directeur de recherche est singulier. C'est un dialogue qui s'installe. Et qui est très singulier parce que les objets sont différents, parce que chaque individu aussi se transforme pendant la relation. Le doctorant progresse, lit des choses, découvre. Le directeur de recherche lui-même évolue. Donc, on a une relation qui s'installe et qui est une relation non pas à deux, mais à deux avec plein de parties prenantes. Et j'ai pas de relation miracle, pas plus que sur des relations, je dirais, interpersonnelles ou relations sociales. Il y aurait de recettes miracles pour les réussir. En revanche, il y a 4 éléments que je voudrais faire ressortir rapidement. Le premier élément, c'est pour moi une bonne direction de thèse, un bon encadrement de thèse, c'est un bon encadrement du point de vue du doctorant, c'est-à-dire c'est à lui de dire s'il est satisfait ou pas. Et c'est à lui de dire s'il est satisfait ou pas, non pas uniquement au moment de la soutenance, parce que là, il y a toujours une satisfaction, au moins d'être soulagé d'avoir fini quelque chose, mais
d'être satisfait, je dirais, après. C'est-à-dire après, de se dire si finalement, est-ce qu'il était bien encadré ou pas par rapport à d'autres? Est-ce que la thèse qu'il a fait lui a permis d'avoir tout ce qu'il espérait avoir ou d'avoir, voilà, est-ce qu'elle lui a permis aussi d'apprendre à publier, d'apprendre à se débrouiller dans les conférences ou les colloques? Donc, le premier point, c'est que c'est essentiellement un point de vue, je dirais, du doctorant qui est important là-dessus. Et là-dessus, je rejoindrai aussi ce qui vient d'être dit sur la dimension collective, c'est-à-dire que je pense que c'est très important dans les écoles doctorales qu'il y ait des groupes de doctorants qui travaillent ensemble et où il n'y ait pas de prof. Parce que justement, ils peuvent progresser ensemble sur leurs interrogations vis-à-vis de leurs encadrants, etc. Et je pense que c'est quelque chose, c'est une dynamique extrêmement positive. Deuxième point que j'aimerais évoquer, alors de mon point de vue à moi, qu'est-ce qui est une relation doctorale réussie? C'est une relation doctorale qui est un dialogue qui s'installe dans le temps, un dialogue académique qui s'installe dans le temps. Le fait d'écrire des articles avec d'anciens doctorants qui sont maintenant enseignants eux-mêmes, etc., et qui sont soutenus il y a des années, c'est quelque chose que je trouve à titre personnel très agréable, parce que c'est quelque chose qui montre que voilà, non seulement il y a une transmission, mais il y a toujours un désir d'écrire, un désir de recherche. Et c'est peut-être, d'ailleurs, ça m'amène à mon troisième point, c'est que il faut évidemment s'adapter aux doctorants, mais s'adapter aux doctorants aussi pour maintenir ce désir de recherche, maintenir cette pulsion épistémophilique, comme le disait Freud. C'est-à-dire ce désir de connaître et cette joie aussi d'écrire, cette joie de chercher, cette joie de quelquefois trouver, ce plaisir de dialoguer avec les autres. Et on est là pour entretenir cette flamme. Hein. Et je pense que une des clés de réussite pour moi, c'est quand cette flamme, justement, s'entretient et apprend à s'entretenir elle-même. Comme tout le monde, il m'est arrivé aussi d'avoir, dans 3 ou 4 cas, des gens qui commencent un doctorat, puis qui finalement s'aperçoivent qu'ils n'ont pas envie de faire ça, ils ont envie de faire autre chose, ils abandonnent. L'essentiel, c'est que leur nouveau projet les satisfasse et les rende heureux. Et donc, ce plaisir de la recherche, ce plaisir d'écrire, ce n'est pas quelque chose qui va de soi. D'ailleurs, nous-mêmes, quand on est dans le monde académique depuis assez longtemps, il y a des moments où peut-être que... voilà, on n'a pas. Et donc, ce plaisir de la recherche nécessite aussi de s'adapter au doctorant, c'est-à-dire que les choses ne sont pas obligatoirement les mêmes d'un doctorant à l'autre. Et puis, il y a aussi des doctorants qui évoluent beaucoup sur leur sujet, qui vont même changer de sujet. Donc, dans quelle mesure on arrive à s'adapter à ça, dans quelle mesure on arrive à maintenir quelque chose d'un dialogue, ça va pas de ça. La dernière dimension que je voudrais évoquer rapidement, c'est une dimension un petit peu d'émancipation. Alors ça, c'est un domaine sur lequel j'avais travaillé. Je suis pas du tout en sciences de l'éducation, mais il se trouve que j'ai travaillé sur des récits autobiographiques de sociologues dont j'avais tiré un livre qui s'appelle « Devenir sociologue », qui était en fait mon HDR d'ailleurs. Et j'avais été frappé sur le fait qu'un certain nombre de chercheurs, même de chercheurs très installés, voire très connus, dans leurs récits autobiographiques faisaient un lien entre leurs expériences personnel durant l'enfance ou dans leur famille ou dans leur âge de jeunes adultes et puis finalement les objets de recherche qui se sont donnés. Et donc d'une certaine façon la recherche peut faire réparation, hein, réparation au sens de Mélanie Klein, hein, c'est-à-dire ça va réparer quelque chose qui a été amoindri, abîmé, cassé par la vie auparavant. D'ailleurs suite à une soutenance de thèse, j'avais évoqué ce sujet, on m'a demandé de faire un article qui va bientôt paraître, donc je pourrais transmettre à Elsa et à d'autres si ça vous intéresse. Et je pense que la réparation est un gage d'émancipation, c'est-à-dire que quand l'individu, et on a des individus qui pour des raisons de genre, pour des raisons d'origine sociale, pour des raisons d'origine liée à l'immigration, etc., sont dans une logique effectivement de réparation. Le rôle du directeur de thèse, c'est aussi de faciliter, de conforter, d'institutionnaliser, de rendre possible cette réparation, et cette réparation devient émancipation. C'est-à-dire que l'individu, par rapport à ça, il va se construire et se construire une nouvelle identité avec un statut qui est un statut de docteur, etc., c'est-à-dire un statut qui a une valeur en soi
et qui est, c'est pas inintéressant. C'est pas quelque chose de nouveau, hein. Richard Hogarth, le grand historien des classes populaires anglaises, a beaucoup, je dirais, évoqué cela dans son principal livre autobiographique. Mais c'est quelque chose qui existe, qui peut exister en tout cas, et qui nous mobilise. Et qui nous mobilise quelquefois sur des choses, sur des domaines sur lesquels nous n'avons pas obligatoirement, je dirais, de formation ou de compétences. Hein. C'est-à-dire que là, on est dans des aspects, je dirais, psychosociaux, qui sont, je dirais, qui sont quelquefois un peu subtils ou un peu délicats à manipuler. Mais en même temps, ça fait partie aussi des choses, je dirais, qui sont dans la réalité de leur traitement de tête. Hein. C'est-à-dire que nous sommes là aussi à travers cette transmission, parce qu'il y a de la transmission, à travers cette transmission aussi, on va aider des personnes à se construire, à s'émanciper, de la même façon que nous-mêmes, on a pu être aidés par nos directeurs de thèse à nous construire. Voilà, très brièvement, ce que je voulais évoquer en peu de temps, parce que je sais que nous sommes très contraints par le temps. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Nous passons donc ensuite à Marc Bessin, directeur de recherche à l'EHESS. Bonjour, vous m'entendez là ? Parfaitement. Oui. Très bien. Alors, bonjour et merci de m'avoir convié à cette table ronde extrêmement intéressante, comme l'ensemble de cette journée qui est trop rare, je crois. Et par rapport à la question qui a été posée d'une supervision réussie, eh bien, c'est évidemment pas, sûrement pas du fait de l'incarner, mais en tant qu'une expérience de directeur de thèse, je fais soutenir une quinzaine de doctorants, mais j'ai aussi vécu plein d'abandons, et ce n'est pas pour moi le critère pour juger d'une réussite ou d'un échec d'un accompagnement. C'est peut-être aussi du fait de ma charge de mission que j'ai eue pendant 3 ans à l'EHESS, à la tête de l'école doctorale, qui m'a amené à tenter de davantage organiser cette relation. On a mis en place les comités de thèse, on en a parlé, j'aurais pu revenir un petit peu sur ce qui a fait que les choix qui ont été faits à l'EHESS, différents de ceux qui ont été évoqués. Mais j'ai été aussi amené à réguler, à arbitrer, à ce qui m'a aussi amené à parfois faire œuvre de médiation dans des relations d'accompagnement dysfonctionnelles. Alors, comme je dirais, c'est compliqué de répondre à cette question, mais en tout cas, c'est surtout pas des critères d'excellence ou de réussite au sens académique classique, on va dire, typique critères de réussite comme la soutenance, l'excellence, ce qu'on voit dans les rapports de thèse, le délai de soutenance, etc. Tout ça, évidemment, ne rentre pas dans ce que j'entre. Et personne, je crois, n'a avancé cette idée, mais il me semble que c'est important de le rappeler. Parce que sinon, évidemment, ça rentrerait dans des logiques qui sont déjà extrêmement à l'œuvre dans nos milieux, d'une présélection la supervision est évidemment plus simple. Quand je dis présélection, il y a toujours une sélection, mais une présélection qui vise à formater, à accompagner un chemin déjà traché, une démarche qui nous amènerait à renforcer la standardisation des profils et qui est si néfaste à l'espace académique. Alors, pour y répondre, ça a été dit, ça dépend du point de vue de qui, hein. Est-ce que c'est du point de vue de l'établissement? Donc, évidemment, il faut voir les critères de l'HCERS, etc. Est-ce que ce sont les critères du directeur ou de la directrice, de la doctorante ou doctorant? Donc, c'est une relation. Je vais un petit peu évoquer mon point de vue, mais je partage l'idée de la très grande difficulté à répondre et je rejoins Stéphanie Châtelain sur les enjeux à la fois du collectif et des procédures. Pourtant, et pour avancer, d'abord, peut-être quelque chose qu'on a notamment en sciences sociales sur les aspects matériels. Et donc, d'une certaine façon, la réussite, c'est peut-être essayer de réussir à garantir des conditions de bonne réalisation d'une thèse. Et c'est d'abord s'en assurer, je crois, c'est essayer de accompagner un projet, mais c'est aussi, c'est d'un point de vue scientifique, mais aussi de la recherche de financement, de contrat doctoral, d'un statut de chercheur,
donc une insertion dans un laboratoire de recherche, des conditions pour l'amener et pas seulement être toléré dans un laboratoire, mais donc des choses qui ont été dites, mais ça me semble important. Donc c'est aider à engager dans ces dimensions de reconnaissance à la fois matérielle, hein, des bureaux, d'accès aux moyens, des contrats, et puis surtout professionnel en tant que chercheur à proprement parler. Hein, bon voilà. Autre aspect, on l'a dit, mais il me semble qu'il faut évidemment le répéter, c'est toujours s'assurer contre les risques d'isolement, hein, d'où l'importance de la vie collective, du laboratoire, dans la supervision, éviter à tout prix la dimension exclusivement diadique, on l'a dit, mais je crois que c'est fondamental. Hein, je crois vraiment beaucoup au cadre collectif pour aussi déployer tous les moyens de décodage de l'institution, hein, mais aussi pour aborder les dimensions éthiques, pour assurer des cadres bienveillants, d'un travail collectif qui est la réalité de la coopération, qui est la réalité d'une recherche qui avance et d'une production de connaissances. Donc, une supervision réussie, du coup, de ce point de vue-là, c'est réussir à ce que la personne supervisée échappe à l'isolement, s'engage et soit à l'initiative de projets collectifs aussi, qu'elle soit en mesure d'avoir assimilé ces codes si opaques du milieu académique pour échanger au-delà, justement, de cette relation, rentrer en contact avec d'autres, etc., participer à l'échange académique sans avoir à passer par directeur de thèse, directeur de labo, etc. Du coup, évidemment, on en a parlé, hein, c'était tout l'aspect d'importance des comités de thèse qui, me semble-t-il, est important, évidemment, pour s'assurer des dimensions, des conditions de réalisation de la thèse, mais si on ne rentre pas dans la dimension scientifique, et c'est de l'or, me semble-t-il, le choix qu'on avait fait d'encadrer une partie avec le directeur de thèse pour avoir une dimension scientifique qui soit partagée et qui permette ce dialogue au-delà du colloque singulier. Bon, sur cette dimension, moi, je disais, la plus belle réussite que je peux avoir, que j'ai pu ressentir, c'est quand au-delà de la qualité du travail de recherche menée, mais c'est une satisfaction, mais c'est pas un critère de réussite. Par contre, c'est quand deux doctorants, par exemple, mènent un projet ensemble, du fait de se retrouver dans cette logique, et une logique de care, je vais y revenir, hein, et qui se mettent à traduire ensemble un bouquin, par exemple, etc. Ça, je trouve que on a là des non seulement de la satisfaction, mais aussi de la réussite en ce que il y a eu des initiatives prises, une forme d'émancipation, comme disait le collègue tout à l'heure. Au-delà, eh bien évidemment, ça reste malgré tout une relation diadique, une relation humaine, une relation déséquilibrée, extrêmement déséquilibrée, au point de parler de relation de pouvoir, je pense. Je répète souvent, moi, au doctorant que j'ai entre mes mains la possibilité de pouvoir influer, au sens même de briser ou au contraire de booster, un parcours de recherche, voire une carrière. Et en cela, c'est une relation asymétrique, il faut toujours le dire. Et le dire pour aller à l'encontre de la démagogie. Alors, l'enjeu, me semble-t-il, c'est instaurer une relation de confiance. Une relation de confiance qui permette d'échanger évidemment sur la thèse, mais aussi échanger sur tout un tas de doutes, qu'ils soient des doutes sur évidemment les dimensions scientifiques, les pistes, les impasses, mais aussi sur les conditions plus matérielles, etc. Les conditions. On peut avoir des dimensions sur lesquelles il faut réorienter. Hein. On parlait tout à l'heure de la question des difficultés en termes de burn-out, de fatigue, etc. Hein. Mais c'est aussi des capacités de réorienter. Hein. Et on pourrait discuter longtemps jusqu'à quel point on est apte à travailler sur ces questions-là. En tout cas, il y a de la réorientation possible, ce qui induit que les structures des écoles doctorales doivent intégrer toute cette dimension un petit peu du mal-être doctorant, etc.
Alors, évidemment, je trouve que la question de la complicité intellectuelle est intéressante, même s'il peut y avoir des encadrements réussis. Dans le cadre de conflits au sens scientifique, de désaccords, et c'est, je pense, par exemple, maintenir de la coopération, etc., dans le cadre de désaccords, par exemple, me semble être extrêmement intéressant, même si c'est pas forcément ce qu'on souhaite toujours, mais voilà. Donc, il y a parfois des difficultés, hein. Évidemment, est-ce que c'est un soutien inconditionnel que l'on apporte? Pas toujours, évidemment. Il nous revient parfois de dire, stop, ça va plus, etc. Hein. Il y a parfois des impasses, parfois des abandons. Je l'ai dit, c'est pas en soi un signe de supervision réussie. Je pense avoir je peux juger de supervision que je trouve réussie pour certains. Qui aboutissent à des abandons de thèse. Par contre, c'est la manière dont ce processus d'abandon se fait en dit long, bon, je crois assez long sur la qualité d'une supervision. Je me permets d'évoquer une série de podcasts qui est réalisée par Marianne Gagneur et une collègue à elle qui s'appelle Thésard. Ce podcast il fait parler des doctorants et doctorantes en sciences humaines et sociales. Sur qu'est-ce qu'on fait quand on fait une thèse, très concrètement, ce sont une série de portraits. Et il y a une partie de ces portraits qui portent sur les abandons de thèse. C'est très, très intéressant. Et on voit bien comment les abandons de thèse, parfois, sont faits de... il y a comme une honte, une charge morale très, très forte qui fait qu'on n'arrive pas à... On coupe les liens et puis on donne plus de liens. Bon, et puis on ne sait pas exactement ce que c'est que l'abandon. Et je trouve que c'est une dimension très très intéressante que cet abandon. Et en tout cas, il peut y avoir des abandons qui sont négociés. Et là, ça me semble être le signe d'une réussite, d'une supervision, par exemple. Évidemment, ça pose la question du devenir, hein, l'enjeu. Un des enjeux, c'est évidemment la hâte que l'on a de sortir de cette relation qui est une relation extrêmement asymétrique. La hâte de devenir collègue ou pas forcément, ou en tout cas de coopérer dans d'autres cadres, parce que le devenir n'est pas forcément dans un cadre académique. Ça peut être de devenir ami, mais pas forcément. Hein, ça nécessite de sortir de cette relation qui est une relation de subordination, d'alliance. Donc, je pense que la hâte, l'impatience de sortir de cette relation est sûrement le signe, un des signes d'une bonne réussite de supervision. Il y a évidemment tout un aspect de dimension éthique, le fait de pas mélanger les genres. On n'est pas des amis, on peut avoir une complicité, mais c'est pas pour autant qu'on se tutoie, par exemple, etc. Mais c'est pas non plus une forme d'allégeance, etc. Tous ces aspects-là sont très très importants pour sentir si on y arrive ou pas. Alors au final, et sans revenir sur l'importance des termes. Il y a une direction, supervision, accompagnement, suivi, tout ça. Réussir un encadrement, on pourrait l'envisager dans une évaluation de compétences temporelles mises en œuvre dans cette relation, qui me semble relever, pour ma part, je trouve, une relation de care au sens très large et comme travail peu visible, qui est en tension entre protection et contrôle. C'est cette tension qui induit l'équilibre difficile entre, d'une part, la valorisation, la transmission et l'attachement subjectif du fait de cette expérience de l'opération relative de coproduction, puis d'autre part, l'évaluation objective des recherches menées, qui participe aussi à une forme de sélection, etc. Et donc, cette tension-là, elle est très, très forte, elle est inhérente aux relations de care, me semble-t-il. Il y a, pour finir, 4 niveaux de temporalité pour observer ces présences. Hein, je pense que c'est de l'ordre de la présence au sens phénoménologique dans la relation de supervision de thèse. Il y a cette durée au sens de c'est chronophage, ça prend du temps, et c'est cette disponibilité que l'on doit avoir.
C'est un premier aspect. Et si on n'arrive pas à l'avoir, c'est peut-être qu'on ne réussit pas cette supervision. Une dimension de tempo, hein, on nous dit maintenant il faut une thèse en 3 ans. Évidemment, on résiste, mais on sait que parfois il faut beaucoup plus long. En tout cas, il y a un ajustement, il y a de l'encouragement pour adapter le tempo de la thèse. En tout cas, ce qu'il faut, c'est de la patience. Et si on n'arrive pas à avoir cette patience, on ne réussit pas, je crois, cette supervision. Il y a une dimension de rythme, hein, c'est au sens de moment de prise. Il faut savoir intervenir quand ça ne va pas, quand ça se disperse trop, quand on sent que tout explose, etc. Il y a une forme d'anticipation, du tact, de la sagacité pour intervenir au bon moment. Et puis, il y a une dimension dans cette dimension de projection, hein, d'articulation du passé et du futur. Eh bien, il faut réinjecter souvent du plus long terme. Pourquoi cela, etc., sans forcément être toujours dans l'urgence pour les enjeux de la thèse, dire qu'il faut parfois abandonner une partie du programme de départ et que ça sera un post-doc, etc. Donc, il y a une question de responsabilité, hein, dans cette projection entre des ambitions et puis des réalités. Et si on a réussi à mettre ces compétences temporelles du CAIR en œuvre dans cet accompagnement doctoral, eh bien, il y a peut-être une partie des ingrédients nécessaires à une supervision pas trop mal, me semble être réunie. Voilà, merci, désolé d'avoir peut-être un peu. Merci Marc Besson. Du coup, je passe la parole à Émilie Doré. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Parfait. Très bien. Je suis Émilie Doré, merci beaucoup pour votre invitation. Je fais une petite rectification sur ma présentation, puisque je ne suis plus chercheuse post-doctorante depuis presque 10 ans. Je ne suis plus chercheuse tout court, en fait. Je ne travaille plus, je ne suis plus dans le circuit universitaire. Je ne suis ni doctorante, ni encadrante, ni professeure. J'ai donc une position tout à fait originale, en dehors du circuit universitaire, puisque je suis formatrice, je suis toute la journée auprès des doctorants, mais je suis un acteur privé de ce circuit-là. C'est donc un regard de côté, un regard à distance, que je vais, enfin à distance, je suis toute la journée avec eux, mais à distance par rapport à l'institution, que je vais aujourd'hui essayer d'apporter, mais je vais essayer d'être très brève, bien entendu, dans cette présentation, et juste donner des petits points, puis après, on pourra en reparler. Donc, je suis formatrice auprès des doctorants du monde francophone, ça veut dire que ce sont les doctorants qui viennent vers moi, je fais de la formation auprès des particuliers, parfois ce sont les écoles doctorales qui vont vers moi, mais j'aime beaucoup travailler avec les particuliers. De France, de Belgique, de Suisse, du Québec, etc. Puisque je travaille en ligne. Alors, parmi tous ces doctorants, certains sont satisfaits de leur direction, certains pas trop, et certains pas du tout. J'ai des profils très variés par rapport à ça. Mais ce qui ressort d'une manière générale, c'est une forme de malentendu. Une certaine forme de malentendu. C'est-à-dire, j'ai le sentiment que le directeur attend quelque chose du doctorant, que le doctorant attend quelque chose du directeur, que ces attentes-là ne sont pas explicites et qu'elles sont souvent frustrées. Alors, je vais essayer de les qualifier, ces attentes. Et puis, bien entendu, ben, si je me trompe, vous me direz, non, c'est pas vrai, nous n'attendons pas ça de notre doctorant. Mais je fais une tentative. Il me semble que les attentes du directeur, elles sont beaucoup du côté de l'autonomie du doctorant. Et c'est un mot qui est beaucoup apparu dans cet après-midi. C'est-à-dire que le directeur attend, pour lui, l'idéal serait d'avoir un doctorant autonome, donc un véritable interlocuteur intellectuel qui ferait son travail sans trop de problèmes, qui y arriverait. Et avec qui le moment de la discussion serait un moment, voilà, de fond, on discuterait de fond, sur le fond de la thèse, des questions purement intellectuelles, et on pourrait le critiquer, il répondrait, enfin comme un collègue, quoi, finalement. C'est le désir d'avoir un collègue que l'on supervise. La vision du doctorant est totalement différente. La vision du doctorant, c'est, il a une attente d'explicitation. Il veut qu'on lui explicite ce qu'il doit faire.
Et donc, on voit tout de suite qu'il y a un hiatus entre les deux positions. Et parfois, le doctorant ne sait même pas que le directeur attend de lui cette autonomie. Il ne le sait pas. Et donc, il trouve que le directeur ou la directrice indifférent. Il ne comprend pas ce qui se passe, mais pourquoi il ne me répond pas tout de suite, mais pourquoi... il peut mal le prendre, en fait. Il y a quand même un problème d'interprétation des comportements. Alors, très concrètement, comment ça va se traduire au jour le jour? Eh bien, le directeur, il va vouloir discuter un produit fini. Un produit fini, c'est-à-dire un texte. Il va vouloir que la plupart du temps, je généralise pour schématiser, mais le directeur ou la directrice attend un texte pour qu'ensuite on puisse en discuter de ce texte. Et le doctorant, lui, il a du mal à produire ce texte. Et il aimerait bien pouvoir discuter en amont du texte. C'est-à-dire qu'il aimerait bien pouvoir discuter du processus de production même de la recherche. Tout ce qui est en amont de la production du texte, c'est ce que Howard Becker appelait la boîte noire de l'écriture de la thèse. Comment on s'y prend concrètement? Comment on s'y prend pour écrire? Est-ce qu'on planifie avant les données, à quel moment on va les chercher? On pose la question au début, mais ensuite, et l'argumentation, est-ce qu'elle vient en écrivant ou est-ce que je dois la poser? Tous ces petits trucs-là. Là, je parle de l'écriture de la thèse, mais ça va être vrai aussi pour plein d'autres domaines, dans la recherche de données, etc. Le doctorant va chercher une explicitation qui souvent ne vient pas. Parce que l'institution estime que le doctorant, enfin l'institution estime, c'est peut-être maladroit comme formulation, l'institution c'est pas une personne, mais il est sous-entendu souvent que le doctorant va se former sur le tas et qu'il doit apprendre un peu tout seul certaines choses, la cuisine quoi, qu'il doit avoir les mains dans le cambouis. Voilà. Et cette mécompréhension-là, ce hiatus, il va produire beaucoup de frustration, et notamment en cas de blocage du doctorant. Eh bien, comme il n'a pas de texte à montrer, il va rester dans le silence, il ne va pas oser recontacter son directeur. Et du coup, ça va produire un enlisement et des situations très, très anxiogènes pour les doctorants. Donc, je vais vite. L'institution doit, je pense, expliquer son attente d'autonomie et surtout comprendre que l'autonomie, en fait, c'est quelque chose qui arrive au bout d'un chemin d'apprentissage. Donc, il y a un chemin d'apprentissage de la méthode, de la recherche, qui n'est pas entièrement... Alors, c'est extrêmement variable selon les écoles doctorales, je vous rassure, mais ça n'est quand même pas entièrement pris en compte par l'institution. Si ça l'était, je n'existerais pas d'ailleurs en tant que... Enfin, j'existerais, mais je ne ferais pas ce travail-là de façon privée. Voilà. Juste un petit... Puis après, je laisserai la parole, je ne veux pas monopoliser. Un petit point qui, du coup, n'a pas été beaucoup abordé, mais que je veux aborder, c'est la dimension émotionnelle. Il y a une relation... Il s'installe une relation maître-disciple entre le doctorant et le directeur. Il y a un contenu émotionnel fort que les directeurs et directrices n'aiment pas voir ou aborder. C'est gênant, en fait, cette dimension émotionnelle. Mais elle existe et elle est très, très forte. Et quand on travaille avec les doctorants, il y a une peur, parfois, une appréhension, en tout cas toujours un investissement émotionnel très fort dans la direction avec le directeur, tout le temps. Et donc, quand le doctorant commence sa thèse, il y a beaucoup de respect pour son directeur ou sa directrice. Parfois de la crainte, c'est dommage quand ça se passe comme ça, parfois pas de crainte, heureusement, mais en tout cas toujours beaucoup de respect et une certaine idéalisation du directeur qui, lui, sait les choses alors que moi, je ne sais rien. Voilà. Donc, le doctorant va attendre avec anxiété l'évaluation et le retour critique de son directeur. Et la moindre de ses remarques va provoquer une forte appréhension. Or, et ça, c'est un long cheminement mental et émotionnel, d'émancipation, comme disait Jean-Philippe Bouillou, pour qu'une thèse réussisse, et en tout cas c'est la vision que je porte, le doctorant doit s'émanciper émotionnellement et intellectuellement de son directeur ou de sa directrice. En se recentrant sur sa position, donc ça ne veut pas forcément dire aller dans le clivage et dans le conflit, on est bien d'accord, mais en se recentrant sur sa position et surtout en cessant d'attendre en permanence la validation externe du directeur ou de la directrice. Et ça, ça peut se faire de tas de façons. Moi, je le vois tous les jours et parfois c'est drôle, il peut y avoir des incidents qui provoquent ça. Par exemple, une déception.
je suis déçue, mon directeur n'a pas vu, par exemple, pas plus tard qu'hier, une doctorante me disait, mais en fait, j'avais trouvé une piste de recherche, ma directrice me l'a critiquée, elle me dit que ce n'était pas possible, ça. Et puis je viens de la voir dans un livre, je vois que quelqu'un a la même piste que moi et qu'en fait c'est possible et qu'elle est pertinente. Et elle me dit, dans un sens, j'étais très contente, et dans l'autre, je suis déçue, ma directrice s'est trompée. En fait, elle avait ce sens de déception. Mais finalement, c'est libérateur. C'est-à-dire, ah oui, il peut se tromper. Donc moi, j'ai ma place, autonome, comme réflexion autonome. Je m'arrête ici, parce que j'ai beaucoup parlé. Merci, Émilie Doré, pour votre présentation. Merci beaucoup. Donc maintenant, je passe la parole à Émilie Denis. Bonjour, bon, bah, merci de m'accueillir ici. Moi, je suis doctorante au César au sein de l'HESS. Et c'est vrai que cette question de supervision de la thèse, depuis quelques jours, je me pose la question, qu'est-ce qu'on entend finalement par supervision ? Qu'est-ce qu'une supervision réussie ? Déjà, le terme de supervision, moi, me posait problème parce qu'il induit d'office une relation hiérarchique verticale, d'une certaine manière, du directeur, du superviseur, vers le doctorant, et finalement, renvoyant, pour moi en tout cas, à l'idée d'une supervision réussie qui incombe pleinement au directeur et aux fonctions de comment lui agit, qui d'un coup enlève, je trouve, la place du doctorant dans cette relation. Et c'est vrai que là, on a beaucoup parlé de la professionnalisation de l'encadrement, de comment accéder à une meilleure capacité d'encadrement, comment on peut mieux guider les doctorants. Et en même temps, il me semble qu'on oublie quand même que cette supervision, pour qu'elle soit réussie, il faut aussi que le doctorant lui-même y prenne sa part. C'est-à-dire qu'il doit aussi être proactif dans cette relation. Tout ne va pas venir, en tout cas à mon sens, hein, mais tout ne doit pas venir du directeur, et je trouve qu'il y a beaucoup d'attentes souvent de la part des doctorants à l'égard de leur directeur, de leur institution, de reproches, je ne suis pas intégré, on ne m'intègre pas à ce laboratoire, et en même temps, ils ne font pas forcément la démarche proactive de vouloir s'intégrer dans cet espace où pourtant, en côtoyant différentes personnes, et j'entendais tout à l'heure parler des temps informels au sein des laboratoires, etc., qui sont des temps qui semble, enfin en tout cas personnellement, moi, qui m'ont beaucoup aidé dans la réalisation de mon travail. Parce que ces temps informels où je rencontre d'autres chercheurs me permet de faire avancer aussi ma réflexion, ma manière d'aborder les choses. Et je trouve qu'en tout cas, c'est quelque chose qu'on oublie quand même, et que souvent les doctorants oublient aussi, que cette relation, elle vient aussi de leur part, et que c'est aussi une relation de formation. Sur les comités de thèse, par exemple, enfin, en tout cas, personnellement, je trouve que c'est un enrichissement extrêmement important. Alors, ça dépend de la manière dont ces comités de thèse vont être organisés, etc. Ça, c'est évident, mais je sais que, par exemple, dans mon cas, le comité de thèse s'est organisé, on a choisi ensemble avec ma directrice les membres de mon comité de thèse par rapport à mon sujet, par rapport à mes propres attentes. Et suite à ça, il y a aussi une démarche de leur part de m'encourager à les contacter en dehors du comité de thèse pour pouvoir aussi avoir un échange, et on revient à cette notion de collectif dans lequel, il me semble, le doctorant doit avoir pleinement sa part, et qu'on oublie, ou qu'il oublie aussi de lui-même à ce niveau-là. Alors, je pense que j'irai pas. On parlait aussi d'autonomie, et finalement, je pense que c'est un des grands aspects formateurs de tout ça, c'est ce gain en autonomie qui est un travail sur le long terme, et justement, on ne peut pas attendre d'un doctorant qui soit autonome dès qu'il commence. Et en même temps, une supervision réussie, à mon sens, c'est une supervision qui développe cet aspect d'autonomie et qui donne accès progressivement à des capacités professionnelles d'autocritique, d'avancer justement sur cette capacité de recherche. Et juste pour rebondir rapidement sur ce que Émilie Doré a dit juste avant sur le fait que le directeur avait tendance à attendre un produit fini,
Effectivement, on a aussi cette image en tant que doctorant que tant que le travail n'est pas fini, on ne peut pas l'envoyer à son directeur parce que ce serait, c'est pas ce qu'il y attend et on y met aussi souvent tout un imaginaire. Alors déjà, pour avoir discuté avec certains chercheurs, ils regrettent justement de ne pas avoir le travail avant parce qu'ils pourraient aussi aiguiller au fur et à mesure et se retrouver brusquement avec une centaine de pages à écrire alors que ça aurait pu être fait au fil de l'eau. Je sais qu'il y a un certain nombre de directeurs qui sont en attente de ça. Et surtout, moi, juste là pour mon expérience personnelle, j'ai effectivement attendu d'avoir un produit à peu près fini à envoyer à ma directrice, que je lui ai envoyé, sur lequel j'aurais voulu qu'elle corrige le fond, parce que c'est ce qui m'intéressait, sur le fond, est-ce que ça vous semble pertinent, etc. Et où en fond, pour l'instant, elle ne me corrige que la forme, parce qu'en fait, pour l'instant, la forme ne convient pas avant même de s'intéresser au fond, et on est tout à fait dans la démarche inverse qui était évoqué juste avant, mais moi, justement, je voudrais qu'on discute le fond et finalement, on discute la forme. Et je trouvais ça effectivement intéressant par rapport à ce que vous disiez juste avant, ce rapport-là. Bon, je vais laisser la parole pour la suite. Mais... Merci beaucoup, Émilie-Denis. Et du coup... Sophie Gorevitch, donc je vous passe la parole. Bonjour à tous, merci beaucoup de m'avoir proposé de participer à cette table ronde qui est passionnante. Alors, je vais tout de suite commencer à répondre à la question. Donc, quand on m'a posé cette question, je me suis tout de suite dit que c'est assez subjectif en fait comme question. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que tout dépend de à quel moment de la vie est le doctorant, quel est son passé professionnel, par exemple, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent influencer la réponse. Et j'ai une approche quasi administrative en fait de la question, mais complémentaire avec ce qui a été dit. Je dis deux, trois mots sur moi et mon parcours parce que je pense que ça peut influencer, ça influence ma réponse. Donc, je suis doctorante en quatrième année à l'ESCP, qui est une école de commerce. Je suis belge et russe, donc je suis en France depuis mes 18 ans, donc je ne connaissais pas du tout le système français. Je ne connaissais rien au monde de la recherche et ni au monde de l'entreprise avant de l'intégrer. Et j'ai fait une école de commerce. Je suis un produit d'école de commerce dans lequel on ne parle jamais de recherche. Voilà. Donc, j'ai débarqué dans ce monde doctoral avec une page blanche quasiment, sauf un peu marquée par les stéréotypes autour du doctorat qui peuvent influencer un peu ma réponse. Et j'ai travaillé pendant 2 ans. Et donc, bon, j'ai décidé de faire un doctorat par curiosité intellectuelle et pour plein de raisons. Mais voilà, je n'ai pas de master recherche. Je suis arrivée avec un certain nombre d'attentes dont j'ai essayé de me remémorer certains. Donc, je vais partager des slides. Ça va être très école de commerce, mais ça m'aide un peu à présenter mes idées. Alors, mon écran partagé. Est-ce que vous voyez mes slides? Oui. Hop. Alors, quand j'ai pensé, qu'est-ce que je venais chercher dans le doctorat au début? Quelles sont les premières choses auxquelles je m'attendais? Donc déjà, un financement stable, garanti, honorable. C'est-à-dire, j'avais une approche assez réaliste du processus, c'est-à-dire que si c'est plus de 3 ans, j'avais besoin de garantie. Voilà. J'avais besoin de formation, parce que comme je l'ai dit, je n'avais pas de master recherche, je ne connaissais rien au monde de la recherche, donc j'avais besoin de formation et des garanties sur cette formation, sur comment faire de la recherche, etc. Je m'attendais à un accompagnement intellectuel et administratif. Là, je voulais souligner un peu un équilibre qui est assez difficile à respecter. Parce que d'un côté, je voulais m'épanouir, avoir une liberté, mais j'avais une peur énorme d'être abandonnée en fait, à la tâche. Et là, j'avais l'impression que c'était un peu... parce que le doctorat, je l'ai pris un petit peu en contre-pied de ce que j'ai pu vivre en entreprise. Et en fait, cette volonté de liberté, mais aussi de ne pas être abandonné, c'est un peu en contre-pied et en continuité de ce que j'ai pu vivre en entreprise dans laquelle on n'est pas tout seul face à son travail. J'avais envie d'avoir des collègues, doctorants, professeurs, etc. C'est-à-dire que, bien sûr, la première chose à laquelle on pense lorsqu'on pense au doctorat, c'est un exercice individuel. Mais voilà, j'avais quand même des attentes par rapport à ça. Et enfin, bien sûr, ce n'est pas exhaustif, mais dernier argument, j'avais aussi besoin qu'on m'ouvre au monde académique parce que j'avais parfaitement conscience qu'en école de commerce, pendant toute ma formation auparavant, on m'a formaté cabinet de conseil, entreprise, etc. Mais on ne m'a jamais préparé à ce monde académique dans lequel j'avais très très vite, en fait, on a conscience que les normes et valeurs sont assez spécifiques, sont assez particulières.
Et voilà, j'avais besoin d'un peu, voilà, j'avais des attentes par rapport à cette ouverture-là, tant nationale qu'internationale. Voilà, donc ça, c'était aussi quelque chose à quoi je m'attendais. Donc ça, c'était avant le doctorat. Donc, certaines choses ont été remplies par le programme doctoral. Donc, pas, je me permets juste un petit, une petite présentation du programme doctoral de l'ESCP, mais juste des informations importantes parce que je pense que le modèle de l'ESCP est assez spécifique et peut être intéressant dans le débat. Mais juste pour information, beaucoup de choses sont en train de changer. Donc là, je vous présente ce qui est actuellement, mais voilà, il y a des choses qui sont en train de changer. Parce que le modèle de l'ESCP, en fait, il est hybride en France. C'est un peu un mix entre ce qu'on peut en gestion, ce qu'on peut trouver à l'université et en école de commerce. Mais donc, ce qui est particulier à l'ESCP, c'est que donc il y a plusieurs départements. Les doctorants sont rattachés au département, mais il y a un esprit de promotion. Et en fait, même si on est rattaché au département, par exemple, on est au sein de locaux propres au doctorat. On n'est pas dans les locaux des départements. Mais voilà, il y a plusieurs départements. Les profils des étudiants, ils sont un peu comme les miens, c'est-à-dire que bon, l'âge moyen est de 34 ans, donc on est quand même sur des profils de reconversion professionnelle. C'est là où je disais que quand même le passé professionnel peut influencer la vision qu'on a du doctorat. Il y a beaucoup d'étrangers dans ce programme-là, on est à 47% d'étrangers, dont je fais partie, et on est quand même sur des profils qui n'ont pas beaucoup fait de recherche avant, on a que 27% des étudiants qui ont fait un master recherche. Donc voilà, le programme s'est quand même adapté à cette demande-là. Mais bon, voilà, ça c'était juste pour information sur les débouchés. Même si on est dans des reconversions professionnelles, on a quand même une grosse partie des étudiants qui continuent dans le monde académique et principalement en France. Et on est bon, 12 à 22 doctorants par promotion et la moyenne de doctorat c'est 4,5 ans. Mais voilà, comme je vous l'ai présenté, donc il y avait 5 points sur lesquels je voulais insister, donc sur lesquels je faisais particulièrement attention, bien sûr, en entrant en doctorat. Et il y a 2 autres points, encore une fois, ce n'est pas exhaustif, qui ont été importants pour moi, en fait, qui m'ont paru importants dans cette question de supervision. Le premier, c'est la confiance dans les acteurs clés, en fait, avec lesquels on interagit. L'un des exemples que je voulais donner, c'était à l'ESCP. Ce qui est particulier, c'est qu'on a quand même un directeur du programme qui a un rôle très majeur, en fait, notamment lorsqu'on parle de la relation doctorant-directeur de thèse. Lorsqu'il y a un conflit, professeur Bouilloux l'a mentionné, bon, il peut y avoir arrêt de thèse ou il peut y avoir changement de directeur de thèse, mais par exemple, le directeur du programme peut agir comme un acteur neutre, comme un acteur d'arbitre, comme un arbitre. Et ça, par exemple, ça, je n'ai pas eu à en faire usage, mais je sais que d'autres l'ont fait. Et en fait, ça m'a paru extrêmement important parce que très, très vite, en fait, en doctorat, on se rend compte de la puissance, ça a été souligné par d'autres intervenants, de la puissance, en fait, du directeur de thèse sur le parcours du doctorant. Et donc, en fait, s'investir dans cette relation, ça implique quand même d'avoir des personnes qui peuvent aider à rééquilibrer un peu cette relation. Donc voilà, ça, c'est le cas dans le cas de l'ESCP. Et deuxième chose, il y a vraiment ce sentiment d'intégrer une communauté. C'est-à-dire que l'une des choses, ça c'est un peu au début du doctorat, on a l'impression qu'on est très centré sur son institution. Peu à peu, on s'ouvre aux autres institutions, et ce qui est essentiel bien sûr, parce qu'en termes de débouchés, en termes de placement, après on est obligé de changer d'institution, voire de ville, voire de pays. Et ça, c'est un accompagnement qui me paraît essentiel parce que bien sûr, en doctorat, on est obligé de penser à l'après. Dès le départ, en fait, parce que c'est quelque chose qui... Enfin, le doctorat a une fin. Et ce qui est particulier dans le cadre des sciences de gestion, je ne sais pas si c'est le cas pour d'autres disciplines, c'est qu'on a une fondation nationale qui s'appelle la FNEJ, qui permet un peu cette ouverture académique pour les doctorants, par exemple, où il y a vraiment une communauté où on a vraiment un sentiment de communauté qui est extra-institutionnel, qui va au-delà... et qui permet de rencontrer d'autres chercheurs, d'autres institutions, de s'ouvrir à d'autres modes opératoires. Voilà, ben, c'est bon, j'ai fini. Merci beaucoup. Merci Sophie. Merci. Alors, je vous propose en fait, Pierre-Antoine, je te laisse amorcer donc, le débat. Oui, mais l'amorce sera rapide parce que il nous reste relativement peu de temps et je pense que toutes ces
toute cette série là, d'interventions qui étaient vraiment très, enfin aussi diverses que riches les unes et les autres, je pense, et complémentaires, oui. Et complémentaires oui. Certainement susciteront beaucoup de questions. Donc moi, je dirais simplement une chose, c'est que là, ce qui m'a vraiment beaucoup apporté personnellement par rapport à ma propre expérience de directeur de travaux, c'est ce qui était peut-être presque un peu inattendu dans cette session, c'est le poids qu'a pris le problème et la difficulté de l'abandon de thèse, et en particulier le fait que, comme le disait Marc Bessin tout à l'heure, une bonne supervision se voit aussi à la manière de réussir un abandon, si on peut dire. Alors ça m'a semblé très intéressant, et ça m'a semblé d'autant plus important à souligner que, d'une part, c'est effectivement un aspect très, très difficile du métier, si je peux dire, et qui devient encore plus difficile avec le développement des doctorats financés, dans la mesure où... évidemment qu'idéalement, un doctorat financé doit déboucher sur une thèse rapidement faite, ça fait partie de la règle, ça fait partie du contrat financier, mais il se trouve qu'il y a des doctorats financés et qui pourtant n'aboutissent pas parce que les difficultés sont trop grandes, parce que toutes sortes d'impasses peuvent surgir, d'obstacles peuvent surgir. Et je crois que lorsqu'un doctorat a été financé, il est encore plus difficile de le quitter en quelque sorte, parce qu'il y a une sorte de culpabilité encore plus forte qui pèse quand on a été aidé 3 ans et que néanmoins on n'y arrive pas. Et ça, je pense que c'est... Et alors là, je pense que le rôle du directeur de thèse est vraiment capital, c'est-à-dire d'arriver à une sorte d'issue, c'est-à-dire à ce que la banque... Antoine, on ne t'entend plus. Quelque chose. Oui. D'assumer. Tu as été figé pendant quelques secondes. Bon. Oui, non, j'indiquais simplement que le développement des doctorats financés rend cette question encore plus aiguë d'une certaine façon, parce qu'elle ne supprime pas l'abandon, mais en revanche, elle fait peser sur cet abandon une culpabilité encore plus forte. Donc je crois que c'était très, très important qu'on aborde cette question. Alors, non pas que ce soit, Dieu soit loué, ce n'est pas la question dominante qui doit nous occuper, parce que la majorité des thèses se finissent, mais on sait très bien qu'une partie des thèses ne se finissent pas. Et il est important, pour paraphraser une formule célèbre, de savoir ne pas finir une thèse. Disons que ça fait partie peut-être de notre responsabilité aussi d'aider à ce genre de sortie. Et j'ai été très touché qu'on aborde ce sujet, parce que je dois dire que pour ce qui me concerne personnellement, j'ai vécu souvent avec beaucoup de difficultés ce type de situation, parce que justement, ce sont des situations aussi qui sont peu partagées finalement, hein, dans lesquelles la relation du directeur et de son doctorant est assez solitaire et assez difficile. Donc merci d'avoir ouvert d'avoir levé ce lièvre, disons. Mais maintenant, d'autres... Donc, après cette tonalité un peu négative, mais qui, dans mon esprit, ne l'est pas, parce que je pense que le travail qu'on vous a proposé avec Jean-Philippe et Elsa, c'est aussi justement le fait de faire sortir des questions qui ne sortent pas forcément si facilement que ça. Donc, ça faisait partie de notre contrat, si je peux dire. Mais je suis certain que d'autres suggestions vont venir. Voilà, est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Alors, il y a pas mal de petites notes dans le clavardage, mais quelqu'un souhaiterait prendre la parole directement? Il y a une question qui est une question là sur est-ce que cette journée d'études sera mise en ligne? Oui, alors les communications vont être mises en ligne, donc sur... le site du FOAP, et probablement donc Pierre-Antoine et puis Jean-Philippe, vous allez trouver aussi un espace sur les pages de vos établissements respectifs pour mettre en ligne les communications. Et je ferai une synthèse, enfin on fera une synthèse de ces échanges durant la table ronde. Mais on va pas la diffuser. C'était une façon aussi de rendre le discours un peu plus libre, pas contraint.
Il y a une question de Julienne Bissou. Allez-y. Oui, merci. Et je trouve que c'était vraiment très intéressant, cette deuxième partie. Ma remarque, c'est surtout du côté de, quand on parle de réussite, ce qui a attiré mon attention, c'est que la réussite, c'est souvent visé comme si c'est la réussite du doctorat. Est-ce que la réussite, souvent, moi, je pense plus, plutôt dans le cadre, justement, du doctorat professionnel que M. Denis Bédard a présenté tout à l'heure. La réussite, c'est une co-construction de savoir entre le doctorant également et l'encadreur. Et également cet aspect de confiance que Émilie a soulevé. Ça dépend aussi du contexte que quand on parle de réussite d'encadrement, ça dépend également dans quel contexte est-ce qu'on met également le doctorant lors de son encadrement également, je pense, parce que quand on crée des barrières, c'est souvent très, très difficile pour que le doctorant s'approche de son directeur ou lui fait part des manquements ou alors lui fait part également de la progression de sa thèse. Et également, l'autre aspect, quand on parlait également ça dépend de l'intégration. Je pense beaucoup plus, plutôt que c'est beaucoup plus du contexte dans le sens du climat qu'on crée. Parce que si on crée un climat de compétition dans un groupe, c'est sûr que c'est pas facile pour les doctorants de s'ouvrir ou alors de partager ce qu'ils ont ensemble. Donc, selon mes expériences en moi, en tant que doctorante, j'ai la chance d'avoir de bons encadrés également. C'est que ce climat, cette barrière-là, quand on le brise, on se sent en confiance et puis on peut s'ouvrir. Puis, on a comme une relation, comme je disais tout à l'heure, de co-construction entre notre directeur de recherche et nous. Ça fait qu'il devient comme juste un guide, quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. Puis également, quand on parle, on veut qu'un doctorant s'engage, on veut qu'il soit motivé. Pour se motiver, il faut également qu'on ait une espèce de valeur qu'on trouve à ça, ou alors également une espèce de supervision d'un encadreur comme un coach qui nous aide à nous dire que oui, on évolue bien, qui nous encourage, pas seulement celui qui nous tape sur les doigts quand ça va mal ou à qui on vient juste donner un compte rendu de tout ce qu'on a fait. Merci. Quelqu'un voudrait rebondir donc sur ce propos, donc sur la dimension évidemment donc de co-construction. Et puis tout à l'heure, c'est vrai qu'on a aussi parlé beaucoup donc de la réussite de différents points de vue, donc du point de vue institutionnel et puis aussi du point de vue du doctorant, du point de vue du directeur de thèse, et puis aussi donc sur la dimension évolutive de cette dimension réussite. Entre un début de thèse et puis ensuite la suite de la carrière éventuellement qui peut se continuer sur une carrière d'enseignant-chercheur et ensuite de collègue, de pair, etc. Quelqu'un voudrait rebondir là-dessus ? Alors, une question de Manon Durier. Pensez-vous que les formations doctorales à l'écriture sont plus fréquentes qu'il y a 10 ans? Alors, si Françoise est avec nous, peut-être qu'elle pourrait répondre. Oui. Oui, je pense qu'elles sont plus fréquentes aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Il y a de plus en plus d'écoles doctorales, il me semble, qui ouvrent des formations à l'écriture. En tout cas, on est de plus en plus sollicités en tant que formateurs. Alors, peut-être que Émilie peut aussi en parler, puisque manifestement, elle est aussi très sollicitée. Je pense qu'on n'est pas suffisamment, en tout cas, à suffisamment de professionnels de l'écriture de recherche à assurer ces formations-là. Et ce serait bien pour prolonger les discussions qu'il y a eu à un moment là-dessus, de professionnaliser davantage non seulement les encadrants, mais aussi les formateurs à l'écriture de recherche. Parce que je crois vraiment que ça fait partie de l'accompagnement doctoral. Il s'y passe beaucoup de choses aussi. Les doctorants sont mélangés entre des disciplines diverses et du coup, les épistémologies,
les cadres de chacun sont interrogés. Et je trouve ça extrêmement riche. Et on a beaucoup parlé d'émancipation aussi. Je pense que ce genre de formation doctorale aide aussi à l'émancipation, à l'autonomie du doctorant et participe à sa professionnalisation. Donc oui, j'ai le sentiment qu'il y en a plus, mais il n'y en a encore pas assez, en tout cas en France. Là, j'ajouterais en fait que, Françoise, je t'avais rencontrée au Luxembourg dans un atelier de relecture de pairs. Donc là, il s'agit aussi d'un atelier extrêmement intéressant où pendant 2 jours, les doctorants écrivent et apprennent à relire des pairs et donc à commenter l'écrit de recherche de pairs. Donc c'était aussi accompagné d'une formation aussi à l'écriture de recherche. Donc, toute cette activité de relecture que j'ai par la suite aussi proposée dans le cadre de l'école doctorale, enfin dans le cadre d'un cours de France, plutôt d'accompagnement à l'écriture de recherche pour les doctorants dont le français n'est pas la langue 1. Oui, au Luxembourg, ils sont très avancés dans ce domaine. Et en Suisse aussi, j'ai été appelée plusieurs fois à intervenir en Suisse. J'ai le sentiment que la France est un petit peu à la traîne sur ce point. D'autres remarques, Marie-Vonne? Oui, par rapport à ça, à cette question de l'écriture, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que ces questions n'apparaissent pas avant dans le cursus universitaire, c'est-à-dire que pourquoi attendre que la formation doctorale pour avoir des questions, pour aborder des questions qui touchent à l'écriture de recherche. Et pour moi, je lis ça aussi à la question de du connaissance de la diversité épistémologique que je trouve qui n'est pas non plus beaucoup abordée et qui est liée pourtant c'est quand même aussi un petit peu la base de toutes les discussions qu'on a pu avoir aujourd'hui et c'est pour ça que j'ai aussi mis je me suis permise de mettre un texte de Florence Piron dans le clavardage là sur la moralité du positivisme institutionnel. Et voilà, on reste quand même dans une vision très dominante d'une manière de faire de la science. Voilà, on peut l'appeler positiviste ou pas, on peut être d'accord ou pas sur ce terme, mais je veux dire, du coup, dans cette posture dominante, l'écriture, notamment l'écriture de la recherche, va de soi, tout comme le fait qu'on devrait être dans une logique de la preuve, on doit être neutre, etc., enfin, tout ce qui va avec. Et alors peut-être qu'ici, nous sommes des chercheurs et des chercheuses pour qui la diversité des postures épistémologiques est quelque chose de connu, de reconnu, etc. Mais je veux dire, toute mon plus de 20 ans d'expérience, je me rends compte que c'est absolument pas du tout le cas. Et donc, pour moi, cette question-là du questionnement épistémologique et la question de l'écriture qui va avec le questionnement épistémologique ne sont pas des questions qui doivent se poser seulement au doctorat, mais si on abordait ça déjà bien avant, ça libérerait aussi énormément d'étudiants et d'étudiantes, non seulement au moment de leur mémoire de master, mais après aussi dans la thèse. Alors c'est vrai que ça, c'est une réflexion effectivement, qu'on peut avoir dans les cursus de thèse en formation entre guillemets initiale. C'est vrai que dans le cas du CNAM, ou alors donc dans les doctorats professionnels nord-américains, ce sont des professionnels donc, qui, après plusieurs années d'expérience, entrent en recherche. Et du coup, c'est vrai que la formation doctorale, en début de formation, ou alors même pour le SCP, comme le racontait Sophie Gourevitch également, donc la formation doctorale au tout début a vraiment été très importante. D'ailleurs, je voudrais saluer aussi le travail énorme qui a été accompli sous la houlette de Stéphanie Châtelain-Ponroy pour le CNAM en 2016, entre 2016 et 2019, sur la refonte totale du parcours doctoral, un parcours complètement repensé sous forme de compétences. Et donc, c'est un très gros travail. Je pense qu'il mériterait aussi d'être finalement connu. Bien, est-ce qu'il y a... Antoine ? Oui, je voulais... Alors, oui.
je voulais ajouter quelque chose sur cette question des formations doctorales à l'écriture, parce que ce qui m'avait énormément intéressé dans l'exposé de Françoise Bock en début d'après-midi, c'était le fait que dans l'historique, en quelque sorte, qu'elle faisait, on avait vraiment l'impression qu'on était resté pendant très longtemps dans une sorte de décalage complet entre l'écriture, disons, des chercheurs confirmés, et puis une sorte de formation académique avec cette objectivation du jeu chercheur, enfin, qui semblait totalement intangible. Et ce que vous avez fait apparaître d'une façon qui était vraiment passionnante, c'est cette espèce de mobilité du jeu dans le travail d'élaboration de la thèse, en particulier rejoignant des questions qui sont au cœur de l'écriture de la recherche elle-même aujourd'hui en général, en particulier concernant les formes de l'engagement, par exemple, de la subjectivité à l'œuvre dans l'écriture de la science, qui est une des questions d'ailleurs sous-jacentes à des polémiques apparemment beaucoup plus idéologiques dans le débat français, mais dont l'une des raisons de fond de ces débats, c'est qu'une partie du monde académique accepte mal ces écritures engagées, accepte mal cette subjectivation et que cette idée du jeu chercheur effectivement ne passe plus. Et le fait qu'il y ait cette sorte de relation étroite entre une certaine dynamique de l'écriture de la recherche et une forme de mobilité de l'écriture du doctorat, ça me semble très, très intéressant. Et ça, c'est un vrai acquis, disons, de la période en général, et puis même de cette journée, d'avoir fait apparaître ça, parce que finalement, c'est peut-être une dimension de la professionnalisation, justement, et de l'ébranlement des hiérarchies. Parce qu'on a vécu des époques où des chercheurs confirmés étaient en travail dans des écritures différentes, mais néanmoins imposaient à leurs élèves d'écrire comme au XIXe siècle. Et je crois que c'est quelque chose là qui a bougé fortement et qui fait partie peut-être d'une certaine forme d'autres types de coopération entre le doctorant et son directeur. Donc je pense que cette intensification des ateliers d'écriture doctorale est vraiment un signe très intéressant de quelque chose qui se passe, quoi. Donc, merci beaucoup pour cette... Merci de relever ça aussi, Pierre-Antoine, parce que justement, je me posais la question en écoutant Françoise Bock sur ce glissement, sur ce jeu réflexif. Et je me demandais effectivement, est-ce qu'il témoigne d'une mobilité du doctorat, une mobilité de la thèse, de l'objet thèse, donc, hein. Enfin, c'est tous les cas comme ça que je l'ai interprété. Oui, tout à fait. Moi aussi, c'est pour ça que je trouvais que c'était très important comme aspect du débat. Une mobilité, qu'est-ce que vous voulez dire ? Une évolution, évolution de la thèse ? Oui. De la thèse dans le temps, vous voulez dire ? Une évolution des modalités d'écriture de la thèse. D'accord. Et qui est très en phase avec d'autres aspects du débat académique aujourd'hui, disons. Oui. Après, ce sont des questions dont il faut vraiment débattre avec attention dans les formations. Parce que, justement, où est-ce qu'on met la subjectivité, ça mériterait un grand développement que je ne peux pas faire ici. Mais l'engagement, il faut qu'il soit bien placé. Bien sûr, et ça, c'est vrai aussi dans le débat général. Voilà, quand il devient parti pris, il oblitère la recherche, il oblitère la découverte. Absolument, mais c'est pas... Il faut bien savoir où... Disons que c'est une discussion qui est en partage entre l'apprentissage doctoral et le débat général de la recherche dans l'évolution de ces formes d'écriture. C'est ça qui m'a semblé très important. Et qui est en lien aussi avec des ancrages épistémologiques particuliers. C'est ça. Oui, et je voulais juste dire aussi par rapport à ça que ça dépend bien évidemment aussi, je pense qu'on l'a déjà dit, mais des ancrages institutionnels, parce que je me souviens d'avoir donné une formation à l'écriture en Belgique, et puis sur cette question du jeu, certains étudiants et étudiantes s'étaient un petit peu offusqués en disant « mais bon, nous, c'est interdit dans les prescriptions de travail d'utiliser le jeu », et j'étais assez sidérée de voir qu'il y avait une obligation d'écrire en nous. Donc, voilà, c'est... Oui, donc, Émilie Doré nous signale dans le clavardage, effectivement, donc, dans l'enseignement, dans la formation à l'écriture, on touche profondément donc, à l'épistémologie et aux grandes réflexions actuelles. Il y a plusieurs mains qui sont levées. Pala Bendela qui a levé sa main depuis très longtemps. Ok, merci pour la parole. Je suis étudiant
doctorant à l'Université de Genève de la République démocratique du Congo. Je suis présentement en RDC. Ma question, c'est par rapport au style des productions des thèses. Il y a des styles où on peut structurer sa thèse autour des articles et d'autres structures où on développe seulement des chapitres. Alors, je voulais savoir un peu, je suis un peu curieux, vous pensez, à l'heure actuelle, quels seraient les styles les plus intéressants pour la recherche doctorale? Qui voudrait répondre? Bon, je peux répondre parce que c'est un débat que l'on a en gestion depuis une dizaine d'années. Ça dépend vraiment des disciplines. Et là, je ne peux pas faire une réponse générale. Si vous êtes en finance... Je suis en science de l'éducation. Oui, moi, je ne vous ai pas suffisamment en science de l'éducation. Je peux vous dire, en finance, la plupart des thèses sont maintenant en anglais et par article. Si vous êtes dans d'autres disciplines, si vous êtes en sociologie, je déconseillerais de faire une thèse par article uniquement. Bon. Entre les deux, ça dépend de votre université, ça dépend de votre directeur de thèse, ça dépend de la discipline, ça dépend de vos ambitions. Enfin, je pense que c'est... En tout cas, il y a le débat existe un peu partout. Donc là, effectivement, c'est une évolution du doctorat. Peut-être que Denis Bédard, tu pourrais aussi compléter sur l'Amérique du Nord. Il y a Sophie qui levait la main depuis un petit moment et qui l'a plus levée. Non, mais c'était juste pour réagir par rapport à la thèse par article versus monographie et la question d'avant, parce que quand on parle d'écriture, en fait, enfin, moi, je sais qu'à l'ESCP, on nous favorise différents types d'écriture aussi, parce que là, on parle de l'écriture au singulier, mais en fait, une thèse par article ne s'écrit pas de la même manière qu'une thèse par monographie. Et bien sûr qu'il y a aussi la vulgarisation de la science, etc. Et nous, je sais qu'on nous pousse à tester ces différents types d'écriture. On nous pousse à faire des articles, même si on fait une monographie. On nous pousse à créer des articles, par exemple, pour... j'ai un gros trou. Oui, The Conversation, pardon, pour vulgariser notre recherche, etc. Donc voilà, quand on parle de l'écriture, enfin moi, ça m'a fait tilter qu'en fait, on nous apprend aussi à écrire de différentes manières. Et lorsqu'on pose la question de la thèse par article ou par monographie, en fait, cette question d'écriture se pose crucialement. Merci pour le peut-être un tout petit ajout par rapport à ça. Parfois, certains doctorants ou certaines doctorantes décident dès le départ... Conversation de l'AIMS à destination des doctorants et des jeunes doctorants. Oui, excusez-moi, je disais que parfois des doctorants ou des doctorantes décident dès le départ qu'ils vont faire une thèse sur article ou une monographie, et puis parfois ça vient en cours de route. Là, récemment, j'ai eu une discussion avec une doctorante que j'accompagne, et puis finalement, ben voilà, elle en est... son deuxième article vient d'être publié et puis elle en est à sa troisième année de thèse. Elle pensait faire une monographie et puis on a décidé que finalement elle ferait une thèse par article parce que finalement ça se prêtait mieux déjà à comment est-ce qu'elle avait progressé aussi dans son travail. Donc je veux dire, et même pour répondre à la question de Pala, et ça c'est en sciences d'éducation à l'Université de Genève. Donc, et je rejoins un petit peu les réponses qui ont été données. On expérimente déjà plusieurs types d'écriture, même à travers une monographie, puisqu'on encourage justement à écrire des articles. Et puis donc, ce n'est pas forcément une décision à un moment donné, tout au début de la thèse. Il faut prendre en compte plusieurs éléments. Pierre-Antoine ? Oui, je crois que c'est un problème qui est intéressant à aborder parce qu'il est aussi lié à la professionnalisation du doctorat, lui-même lié à ses financements. Donc, on revient un peu aux prémices de cet après-midi et au fait que comme on demande de plus en plus aux doctorants de produire des articles pendant qu'ils font leur thèse, de sorte qu'ils puissent arriver sur les concours de post-doctorat avec non seulement la thèse, mais aussi des articles, il est évident que la forme de l'article mord sur la forme de la monographie d'une certaine façon, et ça c'est lié à cette tension qu'il y a entre produire une thèse telle qu'on l'a concevée monographiquement et puis multiplier d'autres types d'interventions qui finissent par contaminer au fond la forme thèse. Et ça, je crois que c'est une
c'est une évolution qui est récente, mais qui est quasiment impérieuse, étant donné ce qui est demandé aux jeunes doctorants maintenant. Et Manon Durier nous signale une discussion intéressante sur Café Conversation, les thèses sur articles et monographies, donc, et nous indique, donne le lien dans le clavardage. Bonjour. Est-ce qu'il y a une dernière main levée? Oui, alors il y a deux. Il y a Alézi Caïs et puis il y a Julien Bissot aussi. Oui, merci. Alors, merci tout d'abord de cette journée. Je vais rapidement me présenter juste pour expliciter un petit peu mon intervention après. En fait, je suis professeur dans le secondaire, père, et en quatrième année de doctorat. Donc, alors, c'est en histoire ancienne à l'université de Bordeaux-Montaigne. Et en fait, ça a été un petit peu évoqué, même dit, hein, clairement. Mais moi, je souhaitais peut-être apporter une sorte de témoignage sur les difficultés qui a mené de front une thèse quand on est aussi professeur à plein temps, alors ou en temps partiel, et aussi de mener une vie de famille, disons. Et je serais plus revenu sur l'accompagnement, disons, des institutions, plus que sur l'accompagnement, par exemple, du directeur de thèse. En l'occurrence, moi, ça se passe assez bien. Mais c'est vrai que, pour revenir sur peut-être l'intervention aussi de Marc Bessin, qui avait parlé d'essayer de naviguer dans les méandres institutionnels du monde universitaire, ou même de la recherche, ou même de pouvoir produire en même temps des articles, une thèse, tout en travaillant à côté, c'est assez compliqué, et je pense qu'une des questions en fait qui pourrait faciliter pour les doctorants, c'est vraiment la question matérielle. Alors, il y avait la question du financement, mais quand on n'est pas financé, on a quand même cette pression, ne serait-ce que du temps. Moi, j'ai entendu plusieurs fois me dire de toute façon qu'une thèse en 10 ans, ça ne se faisait plus, qu'il fallait de toute façon finir en un temps assez court quand même. Et c'est pour revenir aussi sur une des interventions qui proposait d'aller s'intégrer dans le monde de la recherche, soit avec des journées de colloques, soit. Mais même les formations sont compliquées, c'est-à-dire assister à des formations, c'est compliqué quand à côté on travaille, quand on peut pas se déplacer, on n'a pas forcément notre temps, voilà. Participer ou même organiser un colloque, c'est compliqué quand on travaille aussi à côté. Et je trouve que c'est un aspect de l'accompagnement là qui confine peut-être à la solitude. Alors, bizarrement, un des aspects quand même positifs, j'allais dire, du confinement, ça a été toutes les formations en distanciel qui m'ont permis à moi, par exemple, de suivre celle-ci, d'en suivre d'autres, tout en n'ayant pas, par exemple, la difficulté de devoir, dans mon emploi du temps, dégager plusieurs heures avec le trajet, avec, etc., etc. Donc moi, je pense que, c'est juste un témoignage, c'est les difficultés vraiment matérielles, déjà pour un doctorant, et en plus, quand on a à côté une vie professionnelle déjà bien remplie, et sans parler après éventuellement de la carrière après le doctorat, parce que effectivement on demande des publications, on demande ce genre de choses qui font que c'est compliqué d'envisager après la suite de sa carrière. Voilà, je vais arrêter là pour pas monopoliser la parole, mais en tout cas merci beaucoup, franchement. S'il y a une troisième année, j'espère pouvoir y assister encore l'année prochaine. Voilà, merci en tout cas. Bon, j'espère, merci à vous pour votre témoignage. Après, je trouve aussi que c'est très intéressant effectivement cette dimension accompagnement institutionnel, donc faciliter aussi, je lis beaucoup de portfolios parce que j'accompagne sur cette dimension, et là, c'est vraiment la croix, et là, les inscriptions sont des choses aussi extrêmement compliquées. Ensuite, le fait de mettre à disposition également dans les formes, faire en sorte que les formations doctorales puissent être diffusées beaucoup plus largement, notamment en distanciel. On s'en est aperçu aussi cette année avec beaucoup plus de doctorants que les années précédentes. Et effectivement, donc ça, c'est aussi une expérience, on va dire, dont on va tirer
quelque chose, c'est-à-dire que pour la suite. Jean-Philippe, tu voulais ajouter quelque chose, hein, sur... Non, il y a deux personnes qui ont levé la main, donc je voulais passer la parole. Julienne et puis et Sophie. Julienne Bissou. Je voulais juste ajouter que par article, par rapport à ce que le collègue venait de dire tout à l'heure, c'est avantageux parce que déjà là, quand les articles sont soumis et acceptés, donc il y a moins de stress lors de la soutenance ou de la présentation. Puis aussi, ça fait un plus. Donc, côté rentabilité, par article, je dirais, au moins, c'est fait, c'est fait. Et puis, c'est déjà accepté. Les autres ne diront pas que non, c'est pas bon. Donc, c'est ça. Merci. Donc là, c'est vrai que ça permet un état d'avancement. Côté nord-américain, la rentabilité, là, c'est ça que... Non, mais c'est même pas une question de rentabilité. C'est que si vous avez une thèse avec un article publié dans une des meilleures revues de la discipline, et, c'est sûr que le jury est obligé de suivre quand même, où il arrive dans à la soutenance avec un préjugé favorable. Sophie ? Moi, c'était juste pour réagir à la remarque de Caïs, parce que, enfin, comme je l'ai dit, nous, à l'ESCP, il y a quand même pas mal de personnes qui sont en reconversion professionnelle, mais en fait, il y en a encore certains, pas mal qui travaillent. Et nous, dans le programme doctorat, ce qui a été fait, c'est que la formation est en semaine bloquée. C'est-à-dire qu'on a une semaine de cours, puis en première année, tout est en première année et certains ateliers sont en deuxième année. Et c'est une semaine de cours, tout concentré et après, c'était en présentiel, maintenant bien sûr c'est en distanciel, et après un mois sans rien. Et en gros, on essaye de, ils essayent de tout concentrer parce que pour s'adapter à ses besoins, quoi. Merci Yvon pour cette remarque. Est-ce qu'il y a, on prend d'autres, une dernière question ou remarque, ajout? De très nombreux remerciements donc, pour l'ensemble des intervenants. Émilie Doré, Co. Oui, je voulais juste rajouter que les doctorants ressentent une pression croissante ces dernières années, qui vient de loin, de très haut, notamment sur les échéances pour faire sa thèse, et on l'a déjà abordé. Et ces échéances sont censées être de plus en plus courtes, parce que le ministère, comme toutes les institutions, est de plus en plus dans une logique d'évaluation, et donc il faut chiffrer, quantifier. Et donc ce qu'on va chiffrer et quantifier dans le doctorat, ça va être le temps de réalisation du doctorat. Et donc cette tendance qui vient de haut, hein, qui vient tout simplement du ministère, et puis même c'est pas que la France, hein, c'est tous les pays autour de nous sont dans la même situation d'évaluation croissante, etc., de productivité. Du coup, je me demande, le rôle du directeur là-dedans, c'est un rôle un peu de tampon, finalement, entre ces exigences institutionnelles, de la superstructure, en fait, et le doctorant qui est là, écrasé par le truc. Et finalement, on se demande si le directeur, de toute façon, soit relaie l'exigence de l'institution et donc pousse son directeur, lui met la pression, lui dit « Allez, là, il faut rendre, mais quand même, vous n'avez pas rendu, etc. » Soit se met complètement dans une autre logique, et on a parlé du CARE, le mot a été prononcé, qui est donc de protéger, protéger c'est fort quand même, c'est un peu provocateur peut-être, son doctorant face à cela, et de lui offrir finalement une bulle de liberté dans ce contexte qui n'est pas forcément très favorable, ce contexte général, hein, à la pensée de long terme. Voilà, donc c'est, je pense, le choix difficile et la position difficile que les directeurs incarnent en ce moment. Voilà sur quoi je voulais intervenir, parce que j'ai eu des témoignages dans ce sens. D'accord, merci beaucoup. Pierre-Antoine ? Non, Elsa, c'est à toi le dernier mot, peut-être. Eh bien, écoutez, nous allons clôturer cet après-midi. Donc, je remercie chaleureusement donc l'ensemble des intervenants, table ronde et bien sûr communicants, le public donc, hein, qui était très nombreux. Donc, c'est aussi extrêmement satisfaisant. Donc, et bien sûr, donc mes collègues qui ont
avec qui nous avons organisé cet après-midi. Donc l'ensemble des communications seront sur le site. On est en train de discuter sur voir éventuellement si les intervenants étaient d'accord pour mettre également la table ronde. Sinon, en fait, une synthèse sera proposée. Donc ça, c'est un peu plus, c'est encore un point d'interrogation. Une excellente fin de journée à vous. Et puis encore merci. Merci à tous beaucoup. À tous. Merci. 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 À bientôt. Et au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.